Ouais, salut YouTube.com, c'est moi. Écoute, j'ai mon ami Jean le Dragon, qui m'a demandé ouais, fais une vidéo pour me montrer. Et moi, je lui avais dit ouais, mais je fais que de mourir sur custom, parce que j'essaye de faire ma quête niveau 1. Et je lui ai dit ouais, ok, tu vas voir, mais que. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Ah ouais, non, il faut pas que je parle fort parce qu'il y a mon grand-père qui dort à côté. Et si je le réveille, il va encore me parler du Vietnam et tout. Parce qu'il était à la guerre au Vietnam. Et quand il se réveille, enfin, non, normalement, il me parle et il me raconte à chaque fois ses histoires du Vietnam. Et moi, j'ai le respect pour les anciens. Du coup, je n'interromps pas. J'ose pas. Et en plus, c'est mon grand-père, alors ça fait comme deux trucs en même temps. Et ça fait plus de respect, si vous voyez ce que je veux dire. Voici mon équipement pour ma quête de niveau 1. J'ai retourné les balles. Ok, on y va. Je vous promets rien du tout. On va quand même s'assurer. Le coup. J'assure le coup. Vous avez vu comme j'assure le coup? Une petite boisson. Merde, j'en ai un peu renversé, moi. Comme je vous ai dit, mon grand-père, Papy Jean-Louis, il dort à côté. Et s'il me voit jouer à Tarkov, il va vouloir y jouer et me raconter sa vie en même temps. Et il va me raconter toutes sortes d'histoires du Vietnam. Comme la fois où il a pris Da Nang avec sa machette et son petit couteau. Qu'il était comme. Comment il s'appelle déjà l'autre là? L'archéologue qui se fait courser par un caillou géant qui roule. Je sais plus comment il s'appelle. Mais écoute, c'était ça avec sa machette dans la jungle. Parce que le Vietnam, ça contient des jungles, pour ceux qui savent pas. C'est très grand. Il y a des conifères et toutes sortes d'arbres. Mais beaucoup de buissons aussi, pour se cacher. Et des tunnels sous les buissons et le terrain. Maussade et nuageux. On peut voir le chargement en direct. On peut voir aussi mon niveau 3. Je sais que le wipe a commencé depuis longtemps. Mais moi j'ai juste repris il y a quelques jours. Je joue comme ci, comme ça. Et comme on peut voir, c'est très la mort à custom. Cette map que en français douane, pour ceux qui savent pas, douane custom. Et c'est devenu une nouveauté dans ce wipe, dans cette version, il y a toute une partie de la carte qui a été ajoutée. Et je ne connais pas trop bien encore, mais j'ai déjà un peu figuré dans ma tête. Un plan d'attaque composé en trois étapes. Première étape, le spawn. Je vais tout de suite savoir où je spawn. Je vais regarder partout autour de moi. Et je vais me préciser dans ma tête où je suis. Et à ce moment-là, on va pouvoir aborder le deuxième point en fonction de là où on est. Je ne peux pas te le dire avant de savoir où je suis. C'est comme je peux pas avoir l'un sans l'autre. Ok, ça commence. Je te dirai le plan en même temps que je me le pense dans ma tête. Oui. Ouais, on peut voir qu'il reste 3 secondes. 2, 1. C'est parti. C'est parti. Maintenant. Ah oui, je vois où on est. Et je vois où on n'est pas. Écoute, vu là où je suis, meilleure stratégie, courir pour aller dans le dortoir en premier. Et une fois qu'on sera dans le dortoir, ben, je sais pas en fait. On aura peur, sûrement. En même temps, on regarde vite où sont nos sorties. ZB13, je sais pas où c'est. Dorm, VX, Crossroad, Trailer Park. Ok, c'est de l'autre côté. Je viens de Skill Health Level Up 2.
Et j'ai plus de stamina. D'endurance, pour ceux qui savent pas. Je peux faire la stratégie. Est-ce que j'ai envie de la faire, la stratégie? Écoute, je suis un peu chaud. Et je cherche des scaves. Et vu que je parle en même temps, si eux ils parlent... Oh, vous entendez? Oh, suka t'oublia. Yes, j'en ai eu un. Vous avez vu comme j'en ai eu un? Vite, vite, vite. Prenons le loot. Hop, hop. Je suis en train de saigner. Putain, j'ai plus trop l'habitude du jeu. Vite, je vais me soigner. En même temps, je cherche. En même temps, j'entends un tir au loin. Je prends son pompeux. Il y a une lumière ou pas? Non, il n'y a pas de lumière. Vite, il y a combien de balles? Il y a full. Donc là, j'ai fait un scav. Hop, je mets le fromage dans ma barre pour me soigner. Vu mon ombre projetée dans la lumière, c'est pas trop stylé ça. Yeah. Je me cache au loin. Et j'écoute en même temps que je parle, mais vu que je parle, ça me nique un peu ma détection olfactive. J'entends quelqu'un. C'est quoi ce bruit? C'est un mec qui court ou alors c'est... J'hésite à faire du bruit. J'ai plus de soins en plus. On va se droguer un peu, je crois. Ça tire. Je peux voir un peu. Le flingue est rempli. Je le remplis encore une fois. La chargeur. Allez. Voilà. Bon, on a eu un scav. On entend des tirs au loin. Je dirais que c'est aussi des constructions. Mais je dis ça comme ça, au pif. En fait, non, c'est peut-être le dortoir en face. J'aimerais tuer d'autres scaves, moi. C'est ça mon truc. Il m'en faut deux de plus. Si on a deux scaves de plus, on sera bien dans la game. Oh, comme ça tire. En fait, quand ça tire comme ça, on pourrait comme... Fouille. C'est ultra con ce que je fais, mais écoute. Je vais aller voir s'il n'y a pas un autre scav en haut. En faisant plein de bruit, parce que vu que ça tire comme des fous. Comme des fous, mon gars. Y'a personne en haut. Oh, c'est quoi ce bruit de lampe pétée là? Il y a des lampes pétées ici. Je suis au très mauvais endroit et il n'y a plus aucun scav. Oh. Je peux voir une ombre. J'ai pas envie d'aller là-haut parce que c'est pour les pros du jeu. Avec gros stuff et tout. Moi j'ai qu'un flingue. Alors je me dis que meilleure chance de rester en vie. En se la jouant James Bond. Moyennant quoi, il n'y a plus aucun scav ici. Je pense trouver une fenêtre pour regarder en face qu'est-ce qui se passe. Et vu comment ça tient mon boy. Ce qu'il me faut, c'est une fenêtre pour faire de bruit. Il me faut un scav. Deux scaves, ouais, il m'en faut deux, c'est vrai. Je pourrais loot aussi, mais écoute. C'est tendu là. Tu sens comme c'est tendu ou pas? Je fais zéro bruit.
Je me fonds dans la masse. Et il faut en même temps que je réfléchisse à une sortie. Je pense qu'on en va attendre au moins 10 minutes. Il reste 10 minutes. Donc ça va jouer. Ça va jouer la game. T'entends? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc là. Ce que j'aimerais, c'est qu'il spawn l'escave. Comme ça, j'aurai d'escave. C'est quoi ça? Ce serait pas un chargeur. Camembert. Oh, elle est pas mal cette pièce. Attends. Oh non, on voit. Je crois que j'ai entendu un bruit. Bon, attends, faut que je regarde, c'est quoi ça? Oh, PPSH. C'est un chargeur pour la nouvelle mitraillette des soldats en carton-pâte de l'armée russe. Je regarde un peu. Je pousse ma tête. Et je vois rien. Y a pas un petit scave là? Non, y a rien du tout. Je me rendors alors, je me barre. Moi je crois que j'ai entendu des bruits de l'autre bout, c'est ça le truc. Ça c'est pas loin, ça c'est de l'autre côté de la rivière, je pense. Donc ça fait pas notre affaire, parce qu'à un moment donné, il va falloir y aller. Donc je continue ma progression. Cette fenêtre là, on s'en fout. Oh, il y a peut-être un truc là, à boire. À boire pour moi, parce que là j'ai soif, quoi, je me suis fait tirer dessus. Oh non, c'est qu'une vieille coupe. Une coupe en plastique en plus, c'est vraiment nul, nul à chier. Ok, il y a vraiment... Oh si, regardez ce manteau. Je le fouille. Une cigarette, deux cigarettes. C'est lesquelles qu'il fallait déjà? Je sais plus. Je sais lesquelles. Que ça j'en ai besoin, non? J'entends peut-être des bruits. Si je parle pas, c'est parce que j'essaye d'écouter. Comme un sous-marin. Vous voyez les sous-marins qui écoutent les... Comment ils s'appellent? Opérateur officier... Oh, il n'y avait pas un mec là-haut? On voit pas, hein. Quand je zoome comme ça, vous voyez? Il y a comme une lumière en face, là, qui a... effet de lumière pourrie. Mais on voit rien. Oh, je profite du bruit pour faire du bruit. Vous avez vu cette stratégie? Il a fait des tirs et moi j'ai ouvert la porte en même temps. Je disais comme un sonar en fait, c'est ça que je cherchais, un opérateur de sonar. Et ben c'est moi, et j'écoute au loin ce qui se passe. Pour me dresser une carte mentale, comme une chauve-souris qui fait des cris dans la nuit, pour revoir. Et on peut voir qu'il n'y a toujours aucun scav. Putain, si j'avais un petit sniper là, j'aurais été bien dans cette partie. Plutôt qu'un flingue pourri. Écoute, on continue l'opération exploration. J'aimerais bien qu'il y ait un peu de bruit là. Que je puisse ouvrir d'autres portes. Ou alors je peux tenter d'ouvrir la porte. Oh là là, j'ai tenté d'ouvrir la porte. Et vu que je marche lentement, bah s'il y a quelqu'un qui m'a entendu, il va savoir que je suis là. Ben, je vois pas trop où c'est. C'est quel côté là? Ouais. Ben merde alors. J'ai pas pris assez. Opportunité, mais écoute, j'ai quand même tué un scav, donc moi ça me va. Le scav il va compter pour ma quête. Donc je continue. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une salle en haut où il faut une clé pour entrer, avec beaucoup de loot. Mais j'ai pas entendu quelqu'un la rush. Oh, ils font du bruit. J'en profite. Peut-être profiter de celle-là aussi. Waouh, ouverte de porte, yo. Vraiment un fou. Oh mon gars, mais... Quoi ces pièces là? Je connais pas les pièces de loot. Je sais qu'il y en a, ils sont pros. Professionnels du loot. Ils savent tout où sont les loot, mais moi, écoute, je sais pas trop. Je sais où sont les gros trucs, mais... Les petites pièces là, je les connais pas.
on va regarder un peu où on en est. On va faire un point. 78 de eau, 75 d'électricité, j'ai plus beaucoup. Si, j'ai encore beaucoup. Oh, j'ai perdu un bras, mais attends, mais... Je peux pas faire ça. Ah, il me faut du soin. J'ai beaucoup chié. Où c'est qu'il y aurait du soin? Bah, dans la nouvelle partie de la carte. Il me semble qu'il y a pas mal d'opportunités d'avoir du soin. Mais alors ici... Eh, il y a vraiment rien dans ces pièces, quoi. Oh, il y a un truc à bouffer, là. Ça, c'est bon, ça. Quoi comme sorte de chose? Sprat. Mais écoute, ça sera toujours ça de prix. Comme dirait mon grand-père, c'est toujours ça que les Allemands n'auront pas. C'est ça qu'il disait. Un truc comme ça. Bon, toujours pas de bruit, toujours pas de scav. Moi, je continue mon aventure. Une porte qui faut une clé. Là, il y a une caisse. Je tire. Tire pas loin, ça tire pas loin. Oh, un ordinateur. Mais celui-là, on peut pas le looter, je crois. Fait chier. Il y a vraiment rien. Toi. Pourquoi il y aurait un ordinateur allumé, n'empêche. C'est un peu bizarre. Eh, il y a pas un truc sur le clavier, là. Non. Il y a vraiment rien. On continue. Les tirs ont un peu baissé d'intensité, quoi. Genre ça tire, mais ça tire un seul endroit. Donc peut-être le moment d'aller traverser la rivière, mais pas sûr. Vraiment pas sûr, quoi. Oh, une lunette, ça. Ça vaut cher, ça, je crois. Les lunettes. Ouais, il y a des gens, ils connaissent les prix de tous les objets et tout par cœur. Mais c'est pas mon cas. Moi, je sais à peu près. Ouais, je vais continuer ma fouille. Ma fouille. Ouah, ça, c'est une arme, ça. Mais oui, voilà. Nous avons trouvé une AK-74M. Je sais pas c'est quelle variante. Oh, du 5,45 par 39. Mouaf. Mais écoute, si quelqu'un vient, il va y goûter. Il va s'en prendre plein la face. Je vais lui vider mon chargeur. Des fois, on peut monter les accessoires. Mais celui-là, on ne peut point. On ne puis monter cet accessoire sur cette AK-74M. Qui est, en demeurant, très jolie. Très jolie comme arme. J'aimerais tellement qu'il y ait des scaves. Et là, je ferais pap. Mais j'ai qu'un chargeur, donc faut que je fasse gaffe de pas trop faire pap pap. J'ai pas entendu de bruit. Et il est quelle heure? 30 minutes. Ça va faire 10 minutes qu'on fait les cons là-dedans. Il faut faire attention où on marche aussi. Hein. Bien attention. On va peut-être monter à l'étage. Je veux dire, si personne veut prendre l'étage, moi je le prends, l'étage. Il me faudra du soin encore. Donc je continue, je monte là-haut. Faites attention, ici la fenêtre, ça peut être mortel. Comme par hasard, je vais me faire tuer maintenant. Non, yes. Maintenant, yes. En fait, je suis tellement toujours prêt à mourir dans le jeu que je m'en prends là un peu. Enfin, je veux dire, je m'en branle pas, mais je vais pas comme sursauter. Par contre, allô? Allô? Y'a personne. Y'a des portes ouvertes. Y'a des portes fermées. Il faut des clés. Certaines portes. Oh, attends, y'a peut-être une fenêtre, là. Y'aura peut-être comme une... Eh, hey, des fois, je suis venu ici, il y avait comme un rassemblement de scaves en dessous, là. On se serait cru comme un rassemblement, tu sais, de tous les
tous les voisins et tout, genre, comment dire, rassemblement de voisinage ou. Putain, on peut pas passer là. Hey. Comment passer? Comment on fait pour passer? J'ai pas envie de sauter, de faire du bruit. Je vais un peu regarder. Je vois rien. Donc, je sais pas. Putain, ça fait du bruit. Vous avez entendu le bruit? Ce bruit peut être entendu par les joueurs autour de moi. Putain. Et moi, j'essaye d'être silencieux et tout. Parce que si jamais j'ai l'information qu'un mec court vers moi, c'est gagné pour moi. Enfin, c'est gagné. Au moins, j'aurai une chance. Parce que c'est pas très gagné vu que j'ai pas d'armure. J'ai rien. Mais écoute. A progressé quand même, du flingue. Passer à une calache. Hey, y a plus de fenêtre ici ou quoi? Yo, y a quelqu'un! Dommage qu'il n'y a pas la voix en jeu. Oh merde, j'ai fait du bruit de bois sur la boiserie. C'est quelle sorte de boiserie ça? Ah, c'est la porte du WC. J'ai fait en bois. C'est bizarre. Normalement, c'est du plastique. On continue, hein, que voulez-vous? Dans cette fenêtre, on va pouvoir voir en bas. J'aimerais tellement qu'il y ait des scaves. Il serait là comme Yo, alors, quoi de neuf, mon pote? Et il se parlerait et tout, il se raconterait des trucs. Ouais, il y a un mec là-bas, il est mort, je l'ai loot. Et moi, je regarderais au loin et papa, papa. Oh. Mais écoute, je vois personne. Et j'entends plus personne aussi, ça c'est bizarre. Est-ce que le raid il est déjà fini? Oh attends, il y a des trucs là. Il y a un peu. Hein. Jamais hein, des screw nuts. Non, il n'était pas en full auto. Mais lol quoi, vas-y. Pourtant je l'ai mis en auto. J'ai appuyé une fois et ça fait un tir comme un gogol. Putain, fait chier quoi. Je le saurais pas si ça l'a touché en plus. Touché 7 fois, tiré 13 fois. Tir fatal 1. Cave tué 1. Headshot 1. Oui, donc voilà, c'était ma partie. Et maintenant, on peut se soigner. Ah ouais, nouveauté pour Jean. On peut te soigner en donnant du fric tout de suite. 7000 roubles. Ouais. Ouais, je vais te les donner. Aïe. Ah, en fait, ça fait que 20 minutes qu'on joue. Vas-y, on en refait une. Et on en refait une. Que cette fois elle était pas ouf ouf quand même. Alors attends, on va regarder ce que ça vaut ça. Qu'on a ramené du Sprat. Du Sprat. Du Sprat. Une lunette. Est-ce que c'est compatible avec un IBM PC? Non, c'est pas compatible avec un IBM PC. Attends, j'ai encore des balles pour un pistolet. Attends. Tu l'as en plus, non? Ça me fait mon affaire à moi. Comme ça me fait mon affaire. Mais oui, voyez-vous ça. On va juste. C'est du pstsgsh. Du pstsgsh. J'en prends. Voilà, et voilà, on est déjà prêt à repartir comme c'est. Génial. C'est vraiment excellent, quoi. C'est un peu bien rangé mon inventaire. Une sorte de symbolique que je ne peux divulguer malheureusement. Alors, un fromage, deux bandages, un bandage, deux bandages et deux splints. C'est ma recette que je prends à chaque fois. Même que c'est. Ah, attends, on a oublié un truc. Painkillers. Painkiller. Et on a. Oublié de regarder combien ça vaut. Attends, mécanique. Dis-moi un peu, mon ami. 10 000! 31 000. Ouais, vas-y. Bon.
Par contre, ça, on le garde pour une future vidéo qui rendra la Russie fière et toutes sortes de choses. Oh yeah, vous avez vu ça? Ok, deux chargeurs. Est-ce que j'ai d'autres chargeurs qui traînent? Des PPG stud. Non, on n'a pas. On n'a pas. On va faire avec deux chargeurs. De toute façon, je vais mourir vite fait. Tout le monde est prêt ou pas? On va prendre une boisson, je pense. Comme ça va faire au moins ça d'XP en jeu. De la boisson et une bouffe. Quelle bouffe vaut rien? Ça, je crois que ça. Attends, je sais plus. Peut-être ça sert pour une quête. Je sais que les croutons, ça sert pour une quête. Attends, mais y a... touche 24, ça sert aussi. Qu'est-ce que... Bah, le sprat. Ça fait quoi un sprat? Énergie, hydration. Oh, vas-y. De toute façon, il n'est pas found in red. La nouveauté. Du coup, c'est parti. J'assure mon sprat. On peut pas. Vas-y, lance. Balance. Ah non, faut pas parler fort. Une petite boisson. Cette fois, j'espère que je vais avoir les deux scaves. On va discuter briefing de ma partie d'avant. De ma partie d'avant, j'ai spawn. Écoute, je sais pas trop comment te dire ça. C'était côté rail, dans les collines, là, les plaines verdoyantes. Je crois que j'ai pris la meilleure des possibilités possibles, des choix possibles. De rusher le dortoir parce que je crois que j'ai eu le spawn qui était le plus proche du dortoir. Ça, c'était vraiment excellent de ma part, quoi. Le petit problème, c'est que j'aurais peut-être dû aller dans le dortoir de l'autre côté. Il y aurait eu plus de loot, je pense, que celui-là, mais d'un autre côté, j'ai eu un scav, c'est ça que je voulais absolument, quoi. Mais sinon, non, je pense que ça c'était bon. Par contre, peut-être j'aurais dû être agressif quand j'ai entendu le mec ouvrir la porte. Clairement, je l'ai entendu avant que lui m'entende. Après, je sais pas comment lui m'a trouvé. Je pense que il m'a trouvé par réflexe, genre il entre. Il doit connaître le jeu et du coup il sait qu'il y a une pièce sur sa droite et il a été directement à droite. Ou alors il m'a entendu, mais ça m'étonnerait. Ou alors il triche. En tous les cas, dommage. Mais d'un autre côté, j'avais pas d'armure ni rien, donc. Et aussi, je sais pas pourquoi ma calache a pas tiré en full auto. Ça fait chier, ça. Ça, c'est vraiment le truc, pire truc, quoi. Que des fois, tu te fais des équipements, ton équipement préféré dans le jeu, tu trouves une arme et tout, ou tu prends ton arme préférée, mais tu tires même pas un coup avec, quoi. C'est pour ça, moi je dis, il vaut mieux tirer à fond et même si tu touches rien, au moins t'as eu le plaisir. Oh putain, on est où déjà? Oh. En fait, pas trop moi, je vais aller. Ah oui, c'est pas trop moi en fait. Je vais aller tout de suite à la station à essence derrière. Et. Oh oui, il me faut un salé bois pour la quête. Et ici, il n'y a pas de scav. Il y a comme une nouvelle zone que je crois qu'on peut accéder par ici. Mais écoute-moi, il me faut tout de suite. Oh, attends, une nouvelle stratégie. Hop. Déjà ça. Ah, putain, mais super quoi. Stratégie du Sprats. Et il me semble qu'il y a une ouverture pour aller dans la nouvelle zone ici. On y va. On va être le premier. On va trouver des loots. Loot. On court, mon gars. Et peut-être un scav ou deux. Merde, c'est pas le nouveau bâtiment là?
Ça, c'est le nouveau bâtiment, mais pas lui que je voulais. Encore que peut-être que si. Attends, peut-être un scav ici, ou deux, ou trois. Il n'y a personne. Vas-y, on s'en fout. On s'en fout. On va trouver des trucs. Un pépé. Ouais, il n'y avait pas une autre boîte là que j'avais. Auto. Berlingo. Hot Rod. Personne, je crois. Buvons un coup, mon pote. Buvons à notre santé. Si tu regardes cette vidéo, tu dois boire à ce moment-là. Non, t'es... Et c'est quoi ce sac? Ça tire? Pourquoi ça tire? Un sniper. C'est du bruit, je sais, mais... Je sais qu'il y a une caisse par... Plutôt juteuse. Une ampoule, ça sert. Tout de suite la mettre, hop. Dans mon baigneur. Oh! J'avais oublié ça. Un petit salé bois? Non, c'est pas un salé bois. The Painkiller. Le film. Non, c'est Punisher, c'est pas Painkiller. Quoi ça? Un douce pompeux. Oh, ultra. Je sais pas ce que c'est, mais je le veux. 39, c'est quoi? PS? Arc, j'en veux. J'en fous du Splint. Du Splinter Cell, le jeu. J'aime pas ce jeu de Splinter Cell. On peut voir qu'il y a du loot. Oh, car... non, car, bof. Morphine, morphine. Je vais me droguer en direct. En direct live pour vous, les amis. Hop, je me drogue. Je pourrais faire une sorte de chose. Avec le car batteries. Avec le car batteries. Bon, allez, on... Oh, mais eh oui, il y a vraiment beaucoup de boîtes de loot ici. Carkstopper, c'est quoi ça? M62. Handpuck. Handpuck? Pourquoi il ne veut pas le mettre là? Bon, il n'y a pas de scav. Quand j'ai fait cette partie pour voir un peu solo, il y avait un scav ici, là. Non, on s'en fout, on loot. Oh, cabine key. Qu'est-ce que c'est que ça? Du bandage. Rien d'autre? Attends, il y avait un truc là. LCD. Merde, je crois que ça vaut des trucs, ça. Et on s'en fout. Je vais voir. Comment je fais? Ouh. Comme ça. Comme ça, droit. Il me faudrait des scaves. Et donc là, on est au milieu de la nouvelle zone. Mais c'est pas le bâtiment que je voulais. Est-ce que t'as un bâtiment dans la nouvelle zone, mon gars? Plein de loot. Plein de loot sympa. Ouais, il faut que je sorte tout, moi. Crossroad Trailer Pack, encore les mêmes. Les mêmes choses. On va monter en haut. On va essayer de se faire snipe. Par Bobby Valentino. Mais il n'y a aucun bruit dans ce raid. Oh, ça court quelque part. Court deux fois même. Oh, mais il sort d'où lui? Ils ont spawn sur moi?
Ah ouais, c'est un joueur. C'est un joueur ou c'est un raider? Je sais pas. Mais pourquoi il était en haut? Genre on peut spawner en haut ou... Je comprends pas. Ou alors il était en haut depuis le début? J'ai pas compris, franchement. Aïe. Ça fait chier. Mais écoute, j'ai ramené des trucs, donc... Donc voilà. Je vais arrêter là parce que mon grand-père, il va se réveiller sinon. Et, ok, ciao, youtube.com.